Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour le vlog du mois de janvier. Puis venait le vieux janvier, bien emmitouflé, de maintes pelisses pour échapper au froid. Mais il tremblait et frissonnait comme s'il allait trépasser. Et c'est un extrait de Edmund Spenser, La Reine des Fées. La neige commence à tomber sur mes premiers pas de janvier. Le manège commence à chanter et mes premiers rêves se mettent à tourner. Mes idées pour cette nouvelle année font jour dans mes pensées pour y voir plus de clarté un jour. Un esprit nouveau m'anime, je lui souris, même s'il reste anonyme. Cet esprit, je le connais. C'est ma foi pleine d'envie, cet esprit intense qui renaît une fois les 12 coups de minuit sonnés. Le nouvel an est là, me libérant de mes attaches et de mes craintes, ouvrant la porte au champ des possibles. À vous, je me confie avec soin. Je ne suis pas plus ni moins, mais je laisse la possibilité à mes rêves de se réaliser. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Et je vous retrouve pour la séquence légendaire. Et donc, au mois de janvier, j'ai choisi de vous parler des arbres. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la nature, les arbres sont à peu près la seule chose qu'on peut encore voir debout. Et donc, j'ai voulu vous lire ce petit texte sur les arbres. Les arbres, les buissons, la haie, le verger désœuvré ne servent à rien d'autre en ces temps immobiles qu'à piéger les images conteuses aux fenêtres du père janvier. La haie n'a pas de vache à garder. Les oiseaux sont rares à la branche. Il n'y a pas de fruits à porter. Rien que des images accrochées sur paysage. Certaines déjà écrites, d'autres imagineuses proposées aux rêveries collées à la vitre. Il est heureux de constater combien de simples images de silhouettes familières sous le ciel d'hiver, contemplées à travers le cadre d'une fenêtre, peuvent subitement changer de forme, déchirer leur chrysalide de tous les jours et se transformer en sylphes, en dragons, comme les gros molletons des nuages le font lorsque l'or du couchant se prête au jeu des métamorphoses, creuse des citadelles, invente des paysages, libère des géants paradant sur des chars ou des bateaux à voile. Parce que l'on a, à travers le limbe du rideau, passé le voile révélateur d'une mémoire aux légendes, la mare devient bientôt mare au diable, gardée par les nymphes aux cheveux verts, Marie Groët, afféodée au roi grenouille. Les saules montrent leurs yeux, leurs groins de gargouille, leur charme laissant deviner des silhouettes fées et sorcières, à croire qu'il faille que l'arbre se dénude pour montrer son vrai feuillage, celui qu'on imagine depuis toujours. Que l'on connaît et reconnaît avec toute sa faune, d'oiseaux bleus, de princes, écureuils, de hiboux enchanteurs, sa pomme d'or et ses devinettes cueillies aux branches. Le paysage du dehors se visite du dedans. Alors ce texte légendaire des arbres, des buissons, des haies, du verger, enfin de toute cette nature qui reste debout mais qui est bien... un peu solitaire, m'a inspiré non pas une carte, mais des jeux dans lesquels, parce qu'il y en a plusieurs, je peux retrouver un petit peu cet esprit. Et notamment, il y a ce jeu que je vous ai montré il n'y a pas très très longtemps, qui est donc le tarot des mondes oniriques en français, dont je viens d'acheter la version tchèque pour la grandeur des cartes. Et donc, dans ce jeu, on a par exemple des cartes comme ceci, où on a un arbre ou une partie de la nature et où tout s'entremêle avec des êtres fantastiques qui peuvent ressembler à des fées, à des elfes, à ce qu'on veut en fait. C'est un monde totalement imaginaire, totalement onirique. Et on peut mêler tout ça dans notre imagination. C'est vraiment ce que m'évoque ce texte, en fait.
qui dit qu'en hiver, si on regarde mais la nature comme ça, un petit peu décharnée par la fenêtre, on peut très bien imaginer tout un tas de choses juste à partir de leur silhouette. Alors, je regarde... Il y en a quand même plusieurs dans celui-là. Où on a vraiment cette idée de... celui-là, il est dans l'eau. C'est un petit peu hors sujet. Voilà, celui-là. Où on peut imaginer ce personnage qui peut être ce qu'on veut. Qui peut être une fée, qui peut être un elfe, mais aussi qui peut être nous si on a envie à un moment de se mêler à cette nature en fait. À se mettre au milieu. Regardez ça comme c'est beau. Ça, je vais vous dire, c'est la carte qui m'a fait acheter ce tarot. Je l'avais vu sur une guidance en fait. Sur Facebook, ça devait être sur Facebook. Parce que c'était en photo. Et c'était pas en vidéo. Mais j'avais trouvé cette illustration mais absolument sublimissime. Et j'avais demandé à la personne qui avait fait le post de quel jeu ça sortait, parce qu'en fait je le connaissais pas. Et donc elle m'avait dit le Shadowscape. Donc à ce moment-là, il n'existait pas encore en français. Donc je l'ai acheté. Et puis quand il est sorti en français, je l'ai racheté. Et puis maintenant, j'ai la version tchèque. Parce que j'avais trouvé cette carte absolument sublimissime. Voilà, encore une qui me fait vraiment penser à cette légende. Alors, comme j'ai d'autres jeux, on ne va pas non plus s'éterniser sur celui-là. J'en ai sorti plusieurs qui, dans des styles différents, qui peuvent vraiment faire penser à ça. Et il y a les secrets de Wandwood, donc de Phil et Jackie Lovesay. Parce que Phil et Jackie Lovesay, ils imaginent toujours des choses comme ça dans la nature, à partir justement des arbres, de la nature. Ils en font aussi des personnages. Et on retrouve ça un petit peu, cette énergie-là, dans toutes les cartes, particulièrement dans celui-ci. Dans d'autres aussi, dans l'Arboridium aussi, bien sûr. Mais je trouve que celui-ci, c'est peut-être celui que je vous ai le moins montré. Et c'est peut-être celui dans lequel il y a le plus, justement, d'arbres et d'éléments de la nature qui sont comme ça un petit peu aussi personnifiés, en fait. Je ne pourrais pas vous dire s'il est encore disponible, celui-là. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en rupture. Je sais qu'elle a refait les premiers, mais en plus petite version. En version plus pocket. Et elle est en train d'en faire un autre qui va être bientôt sur Kickstarter. Donc, je suis inscrite pour avoir la notification quand il sera mis sur le Kickstarter, parce que c'est vraiment un style que j'aime beaucoup, qui ne ressemble, je trouve, à aucun autre. Et voilà, et c'est pas un énième oracle. Je trouve qu'ils ont tous leur énergie différente, en fait. Bon, après, si elles continuent à en faire, je sais pas si j'en prendrai 25. Soyons honnêtes quand même, ils se ressemblent quand même. Mais je trouve qu'ils ont quand même chacun leur énergie. Et dans ma collection, par contre, ce sont des jeux qui ne ressemblent à aucun autre de mes jeux. Donc dans celui-ci, on a vraiment pas mal de cartes qui me rappellent, en fait, ce texte, ce légendaire, des arbres, des buissons, des haies, de tout ça, vraiment.
Il y en a vraiment beaucoup dans celui-là. Alors, donc ça, c'était le Wand Woods de Jackie et Phil Lovely. Alors, il y a un dernier arrivé à la maison. Ce n'est pas le dernier que je vais vous montrer, mais un arrivé récemment. J'en attends un qui va vraiment représenter aussi. Ça, c'est le Keeper, le Tree Keepers. Mais bon, je ne vais pas attendre de le recevoir pour tourner la séquence et vous la mettre en ligne parce que sinon, ça va faire trop long. Je l'ai commandé, il est en chemin, mais je vais pas pouvoir attendre. Je vous montrerai à d'autres occasions. Mais il m'a fait penser aussi, donc ce texte, au Liminality Oracle que je vous ai montré dans les jeux qui sont récemment arrivés chez moi. Juste avant Noël, en fait. Bon, maintenant, ça commence déjà à faire presque un mois, mais... Mais voilà, en plus, alors que je n'avais pas reçu tellement de jeux les derniers temps, là, je dois avouer que juste avant Noël, j'en ai reçu beaucoup. Et comme c'est une période chargée pour moi, je ne les ai pas utilisés. Et donc là, il faut vraiment que je me mette un petit peu à les utiliser. Parce que, à part vous les montrer en vlog, je ne les ai pas beaucoup utilisés. Enfin, il y en a certains quand même que j'ai utilisés, par contre. Voilà. Et celui-ci, je crois que j'ai utilisé une fois quand même. Je fais un tirage avec. Donc voilà pour le Liminality Oracle, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, qui est un jeu d'Amelia Leonhardt. Et qui a été édité par Célia. Et donc, on peut le trouver sur le site de Célia. Alors, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas vous montrer le Soul Trees. Alors, ici, on a seulement les arbres. Donc, on a seulement les silhouettes des arbres. On n'a pas ces espèces de personnages qui pourraient se faire voir peut-être, mais on a quand même, voyez ici, parce que c'est un arbre qui a rapport avec un chakra, on a quand même pris dans l'illustration cette roue du chakra. Donc certains arbres quand même peuvent, on peut y trouver certaines choses dans ce jeu aussi, comme ici par exemple, où on a cette lumière verte au cœur de l'arbre pour la guérison. Ici aussi, on a ces espèces de brumes. Donc, dans celui-ci, c'est peut-être un peu plus suggéré, mais ça peut nous laisser encore plus libre cours à l'intuition ou à l'imagination selon... l'utilisation qu'on peut faire des jeux, parce que peut-être que parfois on peut s'en servir comme inspiration, simplement. Je me suis déjà amusée à faire ça. À faire des petites histoires à partir des jeux. Il faudra que je pense essayer de vous trouver pour illustrer une autre fable. Finalement, ça avait eu du succès quand j'avais fait la cigale et la fourmi. Mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Je vous ai fait des choses qui ne demandent pas trop de préparation, en fait. Vous présenter les dernières choses arrivées à la maison, ça ne demande pas de préparation. Les reviews, ça demande peu de préparation. Certains vlogs, c'est assez vite fait d'aller rechercher les jeux. Par exemple, ici, pour le vlog du mois, ça me demande beaucoup plus de temps de préparation. Souvent, ça me demande beaucoup plus de temps de montage aussi. Et donc, et la fable, il faut vraiment que je recherche. C'est pour peut-être 10 minutes de vidéo, j'en ai peut-être pour une heure, voire deux heures de préparation. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps. Mais j'essaierai quand même de le faire parce que j'aime bien. Alors, un autre, c'est que je ne vous ai plus montré depuis longtemps, je crois. C'est Tarot of Trees de Dana O'Driscoll. Alors, moi, j'avais eu la chance de trouver
l'édition du 10e anniversaire, qui est une version avec des très, 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 très grandes cartes. Alors, je crois qu'il est encore disponible, ce jeu, mais pas cette version-là. Donc, une version avec des cartes plus petites. Je crois que c'est plutôt la version pocket. Ou alors, il existe en standard et en pocket. Je ne pourrais pas vous dire. Mais en fait, moi, j'ai tellement craqué sur ces illustrations que j'ai été ravie de trouver cette édition-là. Donc, je l'avais achetée d'occasion. Donc, moi, mes cartes, elles sont mates, mais elles glissent quand même relativement bien. Il a un dos magnifique, je trouve, qui fait penser aussi à ce légendaire. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai aussi directement pensé à ce jeu. Et notamment parce que, bah, voilà, on dit que c'est un pipe deck, ce jeu-là. Mais on voit, par exemple, que tous les deniers sont là, dans les racines. Et donc, ça peut quand même nous aiguiller sur des significations. Qu'est-ce que ça veut dire, ces deniers qui sont en dessous des racines de l'arbre? Donc, il y a des choses qui sont quand même très intéressantes, je trouve, dans ce jeu. Bon, celui-là, c'est pas trop un arbre, mais là, on a des choses qui pendent à l'arbre. On a la coupe au milieu. Ici, on a le denier au milieu. Ici, on a les chaînes avec le corbeau. Ça, c'est le genre de choses que moi, je pourrais imaginer, effectivement, en regardant mais les arbres décharnés par la fenêtre. C'est le genre de choses que je peux voir, en fait. Regarde si j'en trouve encore quelques-unes. Ah, ça, c'est un peu moins en hiver, mais bon. Voilà, et puis un dernier que je voulais vous montrer sur les arbres. C'était bien entendu le tarot aux ramures étranges, donc de Rouxalis. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui l'ont mis dans leur sélection de l'année. Donc je me suis aperçue que je n'étais pas la seule à avoir vraiment mis ce jeu à comme un jeu vraiment particulier de 2023. Donc, évidemment, on n'a pas toutes les cartes non plus, hein, qui se rapportent à ce thème-là, bien sûr. Je n'hésite quand même pas. Enfin, je ne résiste pas à vous montrer celle-là. C'est une de mes cartes préférées du jeu. Je la trouve sublime. Là, on a déjà ces arbres. On peut imaginer des choses dans les formes des branches. Il y a pas mal de choses. Ou alors, on peut s'imaginer soi-même devenant l'arbre. Il y a, je crois, un livre qui s'appelle L'arbre en moi. Je ne l'ai pas lu, hein. Et j'en sais pas plus. Mais je pense avoir vu passer ça. Alors, quoi d'autre? Celle-là. Même celui-là, celle-ci, voilà. Et je m'aperçois que j'en ai encore un autre, je pense, que je pourrais vous montrer. Je vais aller le chercher. Alors voilà, il se trouve dans cette grande boîte, parce que la boîte originale, elle était totalement cassée. Donc je ne l'ai pas gardée. Et il s'agit du tarot relationnel de Jacques Salomé, qui n'est pas du tout un tarot, qui est plutôt un oracle, mais comme il le dit bien, relationnel. C'est vraiment un jeu pour travailler sur soi et sur nos relations, la relation à nous, la relation aux autres.
Donc, voilà à quoi ressemblait le... C'était dans les éditions de jeux où on avait encore les boîtes comme les boîtes de cassettes vidéo à l'époque. Donc, le plastique était totalement cassé de partout. Mais j'ai enlevé le feuillet qui était à l'intérieur. Je l'ai mis dans ma boîte pour me rappeler déjà. Donc, si vous le recherchez, il ressemble à ça. Je pense que cette édition-là, elle n'est plus disponible. Mais il me semble en avoir vu passer d'autres. Et oui, il me semblait bien que sur les cartes, c'est en vous le montrant... J'ai repensé à ce jeu que je n'avais pas sorti. Alors, celui-là, c'est en vous parlant, en fait, de l'arbre en moi. Je me suis dit, mais j'ai un jeu qui évoque ça, l'arbre en moi. Et donc, celui-ci, c'est vrai qu'il est peut-être plus... par rapport à soi-même, plus que par rapport à... des êtres de la nature ou des énergies un petit peu extérieures. Ça, c'est clair. Mais c'est un jeu intéressant. Et je me dis, il a un fond blanc. Et je crois que je ne vais pas le ranger dans ma cartothèque. Je vais me le garder pour là. Parce que ça fait une éternité que je n'ai plus utilisé, mais je ne veux absolument pas m'en défaire. C'est un jeu que je trouve très riche. Bon, il a énormément de cartes, je ne vais pas tout vous montrer. Et on a en fait les messages derrière, au dos. Alors, on a plusieurs catégories de cartes. Le message ne va pas être très très lisible là, parce qu'il a pris des couleurs. Mais par exemple, voilà, ça c'est une carte risque. S'il va bien vouloir faire le focus... En fait, le but n'est pas de vous faire la review, donc c'est pas trop grave s'il ne fait pas le focus. Mais on a des catégories. Je vais regarder si... Voilà. Ici, on a la catégorie allié. Voilà, du coup, il fait plus facilement le focus parce que c'est la couleur qui ne lui convenait pas du tout. Et donc, on a vraiment des suggestions par rapport à des relations. En fait, donc on a cette illustration et puis on a le message, on va l'appeler message, mais c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler, bon ils l'ont appelé tarot, hein. Mais bon il date ce jeu, hein. En tout cas moi mon édition elle date, donc à ce moment là je pense qu'on appelait beaucoup de choses au niveau des jeux comme ça avec des cartes, on les appelait tarot. Moi, j'ai plusieurs tarots qui ne sont pas des tarots. Clairement, qui sont des oracles. Et ici, c'est un oracle, mais clairement de développement même personnel. Après, personnel, spirituel, où est la limite? Pour moi, parfois, il n'y a pas de différence. Il y a juste une question de mots employés. On va utiliser d'autres mots dans le développement spirituel et dans le développement personnel, mais en réalité, les notions travaillées sont exactement les mêmes. Après, au niveau spirituel, ça peut aller encore un peu plus loin. Ça, c'est vrai. Je vous en montre des cartes parce que je m'aperçois que je le... Je dirais, il m'a manqué ce jeu. Je le trouve... j'ai vraiment envie de le réutiliser. Et je vous dis, il est tout à fait dans l'énergie des jeux du mois de janvier que je vous ai montré en premier pour le coup. Parce que c'était la vidéo qui me demandait le moins de préparation. J'avais vraiment pas eu le temps de vous tourner encore les séquences du vlog du mois parce que souvent, je vous le prépare en fait à la fin du mois précédent. Mais là, clairement, la fin du mois précédent, j'ai pas eu une minute à moi. Donc, début du mois, j'en ai pas eu tellement non plus. Et c'est seulement maintenant que je retrouve un petit peu de temps pour vous tourner ça. Et puis, plus vraiment au niveau des arbres, mais
quand dans le texte on parle aussi des mares. Je ne sais plus de quoi d'autre on parle. Toutes les silhouettes qu'on peut voir qui sont un peu dénudées en hiver, ça m'a fait penser aussi à ces jeux-là que j'ai. Donc l'œil de Gaïa notamment, qui permet de se relier vraiment aux esprits de la nature. Donc les photos ont été prises de manière à ce que les esprits vraiment de la nature, on puisse les voir. Donc ça m'a fait penser à ça aussi, même si celui-ci, il est plutôt pas d'une saison de janvier du tout. Les photos sont plutôt prises à la saison où il y a plus de verdure. Bon, après, il y a des cartes. Voilà, on a aussi des cristaux. Donc, les cristaux, on ne sait pas trop. Mais vous voyez ici, les photos vraiment dans la nature, c'est plutôt à une autre saison. Mais le texte m'a quand même fait penser à ça. Parce que, effectivement, c'est le genre de choses que, moi, quand je lis le texte, je me dis, ah oui, c'est comme dans l'oracle, l'œil de Gaïa. Donc, celui-là, vous pouvez encore le trouver partout. Et je crois qu'en plus, il n'a pas beaucoup de cartes. Donc, je pense que il n'est pas très... Enfin, pas très cher. Il y a quand même un 24,90. 24,90€ pour 35 cartes. Donc, c'est peut-être pas moins cher. Parce que il y a des jeux qui sont à 22 et qui ont plus de cartes que ça. Mais les boîtes sont un peu moins grandes, les cartes sont un peu moins grandes. Alors, il y a aussi le tarot des esprits de la nature, qui, encore une fois, comme je vous disais, n'est pas du tout un tarot, mais est un oracle. Ce sont des cartes pour aussi se connecter aux esprits de la nature, aux esprits des éléments. Hein. Dans l'autre aussi, on avait le feu. Voilà, on a ces photos qui ont été prises par des personnes qui ont cette capacité de détecter les esprits dans la nature et qui réussissent à capter le moment où on voit cet esprit. Et donc, ça me fait penser aussi à... Enfin, ce texte me fait penser à ce jeu. Alors, celui-ci, par contre, vous ne le trouverez que d'occasion, si vous arrivez à le trouver, parce qu'il est rare. Mais c'est comme je dis. Au départ, je me disais, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui disent « Oh ouais, mais ça sert à quoi de montrer un jeu qu'on peut trouver nulle part ?» En fait, de mon expérience, on peut toujours les trouver. Alors oui, vous n'allez pas le trouver nécessairement demain ou là tout de suite après ma vidéo, parce que non, vous ne pouvez pas aller sur Amazon et cliquer sur « Acheter le jeu ». Vous ne le trouverez pas. Mais de mon expérience et de l'expérience de certaines de mes abonnées, elles ont trouvé d'occasion des jeux que j'ai présentés. Quand je les ai présentés, ils n'étaient déjà plus disponibles que d'occasion. Et très très rare. Moi, par exemple, je ne les avais vus passer qu'une seule fois et j'avais vraiment sauté sur l'occasion. Et il y a une de mes abonnées qui l'a trouvé. Donc, je reste sur mon option de vous montrer ces jeux tout de même. Pas pour vous frustrer, pour vous partager le plaisir que moi j'ai à avoir trouvé ce jeu en lien avec un thème. Et aussi parce que, eh bien, de mon expérience, réellement de mon expérience, il est possible de les trouver. Maintenant, si vous ne voulez pas des jeux d'occasion, alors là, vous allez être frustré. Oui. Ça, clairement. Ça, clairement. Mais voilà, si ça vous frustre, eh bien, dès que je parle de ça, coupez la vidéo et puis regardez-en une autre avec le dernier jeu qui vient de sortir et qui est disponible partout. Je fais aussi des vidéos de ce type-là, on va dire. Donc, un tout dernier,
c'est le Divine Flow. Alors celui-là, il n'est plus trop dispo non plus, mais apparemment, il y a eu des exemplaires disponibles, je ne sais plus où, il y a une abonnée qui m'a dit. C'est un magasin que je ne connais pas, qui fait un peu discount, je crois. Et c'est pour ça qu'on en a vu passer plein des neufs d'occasion. Donc, pourquoi pas, vous pourriez très bien le trouver. Moi, je l'ai eu sous blister, sur Vinted, mais sous blister. Alors que c'est un jeu qui n'est plus dispo depuis longtemps, mais visiblement, ils en ont retrouvé un stock qu'ils ont distribué, que quelqu'un a distribué dans une chaîne de magasins. Je ne reviens pas sur le nom. Il n'y en a pas par chez moi. Et je n'y ai jamais mis les pieds, donc je ne peux pas, je ne me souviens plus. Peut-être que si l'abonné qui me l'avait dit passe par là, elle pourra le redire en commentaire. Mais moi, j'ai oublié. Donc, dans celui-ci aussi, il est plus fait pour se connecter vraiment à la nature. Oui. La nature en tant que telle, je veux dire. Mais on peut y détecter aussi... dans les photos, certaines formes qui nous disent « Ah, ben tiens, là, il y a un esprit de la nature qui se cache ou qui se révèle. » Ça, c'est selon la vision qu'on veut en avoir. Mais en tout cas, c'est aussi un jeu auquel j'ai pensé quand je lisais ce texte, ne serait-ce que par l'imagination que peut nous procurer le fait de regarder ces cartes. Ce sont des jeux que je pourrais très bien prendre en plein hiver, ça. Si j'ai envie, par exemple, de me connecter à la nature et que, clairement, j'ai pas envie de sortir parce que il ne fait vraiment pas beau. Vous savez, quand il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vent... Vous allez dans la nature, mais en réalité, vous ne voyez pas grand-chose parce que la pluie et le vent ont fait que votre vision est quand même drôlement réduite. Et donc, moi, ce n'est pas le genre de choses que j'aime faire. En plus, je n'aime pas le froid. Mais bon, quand il fait très froid et qu'il fait très beau, j'aime encore bien. Il faut qu'il fasse très beau. Et donc, c'est le genre de jeu que je pourrais prendre. Voilà pour les jeux que m'a inspiré, enfin, ce texte m'a inspiré ces jeux. Je vais le dire comme ça parce que je ne sais pas comment le dire autrement. Et voilà pour cette séquence sur le légendaire des arbres. Janvier est plus morne encore que décembre, qui au moins faisait la part belle au sapin ou à l'if. Alors luisante et résistante verdure emperlée de baies rouges, dépouillée, les murs se recroquevillent autour de la fenêtre qui n'offre plus que l'image d'une campagne ou d'un jardin décoloré. Il n'y a pas plus trompeur que les simagrées de l'hiver qui fait semblant de fuir pour mieux endormir les méfiances et se retourner d'un seul coup, l'haleine mauvaise, les crocs retroussés, enragés à éteindre les premiers brassiments d'un soleil encore convalescent. Derrière les champs noirs, les talus ébouriffés, les sous-bois ont des penailles au mi-temps de carrefour de plein vent, commère nivoise a rencontré commère pluviose. Il ne manquait plus qu'elle se retrouve, ces deux sorcières de Luron en foire. Elles se frottent la hure, se tapent sur la bosse, papotent, radotent leur vipérine en rosserie et toutes deux remontées décident de s'associer, de refaire route ensemble, depuis un an qu'elles ne s'étaient pas vues. Ça fait des jours et des méchants tours à rattraper. Elles s'en régalent déjà. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas et que le cœur vous en dit bien entendu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.